Salam alaikum wa rahmatullah. Ce modeste travail est destiné aux jeunes professeurs d'éducation physique et sportive qui sont soucieux d'améliorer leur action pédagogique. Ce n'est qu'une petite aide, un petit éclaircissement sur la notion fondamentale, les outils de base dont ils ont besoin pour concevoir et gérer leur action d'enseignant. Et puis, nous leur laisserons la liberté d'approfondir leurs connaissances au fur et à mesure de leur expérience professionnelle. Voici l'introduction. Nous allons nous limiter aujourd'hui à une première partie qui va concerner quelques notions importantes. Première chose, ce sont les compétences qu'a énumérées Philippe Pernoud et qui sont en nombre de 10. Vous les voyez ici. L'enseignant compétent doit organiser la situation d'apprentissage, les animer, gérer la progression de ces apprentissages, concevoir et faire évoluer les dispositifs de différenciation, impliquer les élèves dans leur apprentissage, travailler en équipe, ça c'est important, puis participer à la gestion de l'école, animer, organiser, etc. Informer, se servir de nouvelles technologies, affronter les dilemmes éthiques de la profession, puis gérer sa propre formation continue. Donc la formation initiale va aider à construire, à mettre les briques de base, les fondements de base de la compétence, mais toute formation n'est jamais tout à fait terminée pour l'enseignant d'éducation physique. Donc le premier chapitre, nous allons prendre simplement 3 ou 4 points. Ils sont les missions de l'enseignant, les modes d'enseignement, stratégies, les méthodes et les styles. Puis nous passerons après aux psychologies et les idées sur l'apprentissage moteur. Donc ça c'est le premier chapitre. On a 3 chapitres dans cet ouvrage qu'on va essayer de voir à fur et à mesure des vidéos qui vont venir. Donc les missions de l'enseignant se répartissent en une mission d'agent de l'éducation au sein du système éducatif, où il a la responsabilité de veiller à l'égalité des chances, l'équité et la qualité des enseignements et des apprentissages. Et puis il va mener aux apprentissages et aider à la construction des compétences générales, méthodologiques, transversales que vise le système d'enseignement. Au sein de l'établissement, c'est un membre de l'équipe enseignant de l'établissement, toutes matières confondues, où il va participer à résoudre les problèmes particuliers de l'établissement scolaire en fonction de son milieu, l'environnement, la population, le milieu social, etc., l'administration, les outils mis à sa disposition, notamment par le comité de gestion de l'école ou bien le projet, le produit qui est le projet d'établissement. Puis il va être au sein de sa classe. Il va donc éduquer, instruire, former. Se former aussi. Et donc il va s'intéresser aux élèves en les éduquant, donc en s'intéressant à l'aspect social et psychologique, aux attitudes, comportement, à l'éthique, etc. Et puis, les instruire, leur donner des connaissances, leur donner des principes, des notions, les aider à découvrir les activités, les vivre aussi. Et puis, les former, c'est veiller à leur motricité, à le développement de leur habileté motrice, leurs compétences en ce qui concerne les activités physiques et sportives. Et puis, il aura, bien sûr, un regard réflexif sur sa fonction. Donc, c'est un enseignant réflexif, selon Pernoud, qui maîtrise bien les savoirs et les contenus relatifs à sa discipline, puis qui passera par une maîtrise théorique des processus qui vont se manifester chez l'enseigné, chez l'apprenant, et comment il va apprendre, notamment ce qui est psychologique, ce qui est théorie d'apprentissage, ce qui est physiologique, anatomique, et puis ce qui est méthode, stratégie, etc. Donc nous allons parler ici de modèle d'enseignement qui englobe, comme vous voyez sur ce schéma, englobe les stratégies, les méthodes et puis les techniques. Donc nous allons du plus général au plus spécifique. Alors les modèles d'enseignement vont refléter une orientation générale qui est philosophique, qui concerne la société en général. Qu'est-ce qu'elle veut former? Quel citoyen, quel élève elle va former à la fin de la scolarité?
Et il va donc sélectionner, à partir de là, des stratégies, puis des méthodes, et puis des techniques qu'il va utiliser dans sa classe, avec son groupe classe. Vous voyez ici que les modèles d'enseignement sont minimum au nombre de 4. Ceux qui vont concerner le comportement, c'est-à-dire qui se rapportent plus ou moins au behaviorisme, comportementalisme, où on va changer le comportement de l'élève. Puis le traitement d'information, cognitivisme, constructivisme, etc., où on s'intéresse aux processus mentaux du traitement, du stockage de l'information de l'élève, notamment les processus neurologiques. Puis il y a les stratégies, les modèles qui s'intéressent surtout aux interactions sociales. Quel climat social nous visons à installer dans notre société? Est-ce qu'il y a l'aide? Est-ce qu'il y a la compétition? Est-ce qu'il y a la comparaison, la classification, etc. Et puis, on a le développement de la personne actuellement, dernièrement, qui va s'intéresser à l'intelligence, les intelligences émotionnelles, les intelligences multiples et à la gestion de soi, l'estime de soi, et puis la communication avec les autres, etc. C'est-à-dire le développement personnel. Puis, ensuite, pour préciser un peu plus, on va descendre au niveau des stratégies d'enseignement. Donc, les orientations philosophiques, nous les avons vues, puis qui vont nous dicter des stratégies. Les stratégies, c'est-à-dire que des approches, des entrées, comment on va faire pour atteindre certains objectifs d'apprentissage. Donc, les stratégies, on doit ou bien rassembler les élèves dans une classe, leur dicter les connaissances, ce qu'on appelle l'enseignement direct. On va leur demander d'apprendre et puis de ressusciter les connaissances qu'ils ont apprises, puis les applications de ces connaissances. Un autre type de stratégie est un enseignement indirect, c'est-à-dire leur montrant des phénomènes, en l'aidant à qu'ils apportent aussi des problèmes que nous allons résoudre. Puis l'enseignement interactif, où ils vont réinteragir entre eux et avec l'enseignant en échangeant des idées, des questions, etc. Et puis il y a l'apprentissage expérientiel, pragmatique, qui va se baser sur le vécu, sur vivre des expériences réelles pour en tirer des conclusions théoriques et construire des connaissances. Et une étude indépendante, c'est-à-dire que c'est une autonomie dans la recherche d'informations et la construction de compétences. Les méthodes ensuite que va créer l'enseignant au sein de sa classe avec ses élèves, va définir la nature de l'activité d'élève. Et l'enseignant, donc, qu'est-ce qu'il va faire, compte tenu d'enseignement et compte tenu d'apprentissage. D'accord? L'enseignant va aménager le milieu, va poser des obstacles, va tracer des parcours, va donner des plans, etc., des images. Et puis l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire des images, traduire, écrire, sauter, courir, faire ça. Ça, c'est les méthodes d'enseignement. Des méthodes particulières se rattachent souvent à une stratégie précisée. Puis, enfin, les styles d'enseignement qui se rapportent à la personnalité de l'enseignant face à ses apprenants. Il va bien les questionner, inciter la discussion, donner des directives exactes et strictes, et puis expliquer, démontrer ou planifier structuration, focalisation, suggestion. Donc ensuite, dans une prochaine vidéo, on va développer un peu plus. Là, vous avez un schéma qui va résumer les stratégies d'enseignement et puis qui va résumer plutôt les techniques d'enseignement, les stratégies. Enseignement direct, indirect, interactif, indépendant, expérientiel. Et puis, il va dérouler sur certaines techniques que vous voyez en plus petit ici. OK? Ce sont les techniques d'enseignement diverses. Voilà. Voilà. Enseignement direct, exposé, comparaison, etc. Enseignement indirect, étude de cas, résolution de problèmes, technique de lecture, discussion, schéma conceptuel. Reading for meaning, etc. Et puis, études indépendantes, vous voyez là que c'est ordinateur, compte rendu, des travaux d'exploration à l'extérieur et des projets. Puis, vous voyez l'apprentissage expérientiel, où il y a l'excursion, la confrontation avec la réalité, les simulations, les visualisations guidées, les jeux de rôle, les jeux, les expériences. Et puis, à toutes ces stratégies vont ça s'apparenter des techniques d'enseignement diverses. Donc, lors de la prochaine vidéo, nous entamerons les psychologies de l'apprentissage. Merci de votre attention.